Eh bien bonjour à tous, c'est Alric, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du challenge de Super Smash Bros. Melee sur GameCube. Et on va essayer de tasser tout ce qui nous reste, hein, notamment le mode aventure qu'on va faire tout de suite, qui est une nouveauté dans la série de Smash Bros. Au moment de la sortie de ce Melee. Mode que je vais faire moins normal, je vais essayer de battre Giga Bowser en fait. C'est un élément qu'on peut faire apparaître uniquement à partir du level normal, en hard ou en very hard. Et pour ça, il faut le finir en moins de 18 minutes. Voilà, tout simplement. Donc, je prends le maximum de vie. Je prends un personnage rapide, Pikachu que j'aime bien. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Fallait pas que je fasse ça. Ouais, vous n'avez rien vu. Donc, c'est parti. Allez, let's go. Le mode aventure qui est une succession de stages, regardez-moi ça. Royaume champignon, stage 1. Si j'appuie sur A, je peux changer la vue. C'est énorme. Allez, let's go. Parce que si je mets... je sais pas si en fait le temps est décompté seulement quand on joue. Ou également... Allez, Pikachu. Ou également... pendant le truc des stages, j'aurais plus à parler. J'essaie de me concentrer. Voilà, on s'en fout des ennemis, on va pas chercher à les buter. J'essaie de terminer le truc le plus vite possible. Pour qu'on voit Giga Bowser. Ce que je n'ai jamais réussi à faire, bizarrement, parce que ça me paraît pas non plus hyper. Hyper difficile non plus. 18 minutes, bon, ça va quoi, ça nous laisse pas mal de temps. Sachant qu'il n'y a pas énormément de stages dans ce truc. Bon, les Yoshi, faut pas que vous m'évitiez aussi, hein. J'ai que des objets pourris en dessous. Hop. Attaque smash vers le haut, c'est trop efficace. Ok, on a fini. Vous voyez le Toad derrière qui est en train de... Qui est en train de paniquer. Alors là, si je finis avec... Bon, on va attendre juste pour vous montrer. Merde, ça me fait perdre du temps, mais bon. Faut terminer avec un 2, hein, au niveau des secondes. Là, 2. Vous allez voir que ça va battre Luigi, juste après. C'est un petit truc à savoir. Bon, les scores, on s'en tape complètement. Donc là, vous voyez, il y a Mario qui arrive. Mais vu que j'ai fini avec 2 secondes, hop, il se fait écraser la gueule. Et il se fait voler la vedette par son frère. Donc on combat Luigi au lieu de Mario. Ce qui ne change pas vraiment grand-chose, vous allez me dire. Et on va essayer de buter ces abrutis. S'il me laisse taquer, lâche-moi. Je déteste quand ils font des attaques de... Allez! J'arrive pas à faire mes attaques smash, c'est énorme. Ça va pas refaire comme la dernière vidéo, hein. Allez, je... Oh yes, Raikou, énorme. Voilà. Merde, non. Ok, d'accord, j'ai déjà perdu une vie. Bon, ça, mais c'était... Encore une fois, beaucoup de chance, hein. Putain, mais ils sont forts ou quoi? Pourquoi j'ai autant de mal? Allez, dégagez! Putain, mais j'ai perdu encore de vie, c'est pas possible. Normalement, il n'y a pas besoin de... C'est bon, on dit en moins. Voilà, putain! J'ai bien du mal. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis avec les vies. J'ai vérifié pour mieux Giga Bowser. Même si on perd... si on perd des vies, normalement, il apparaît. Il faut juste terminer en 18 minutes. Moins de 18 minutes. Bon, les petits donkeys, ça va, normalement. Et... Qu'est-ce que je fous? D'abord, ce connerie, ça encore. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça, parce que, franchement, ça sert à rien. Ça me fait perdre. Bon, vu eux qui sont petits, normalement, ils devraient partir assez rapidement. Allez, voilà, j'ai un de moins. Le deuxième, il ne veut pas partir. La bombe, la bombe... Ah ouais, d'accord. Je voulais la choper. Ah. Bon, c'est encore le gros bordel sur mon PC, là, entre les installations de Adobe Flash Player, putain, l'antivirus qui fait ses mises à jour, Windows aussi, c'est le gros bordel, j'espère que ça va pas faire tout planter, mais ça me saoule ces mises à jour. Bon, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai déjà plus de vie, et si j'arrive pas, ce serait vraiment la grosse lose, parce que j'ai absolument envie de vous montrer la fin. Ah, bah génial. Lui, en 10 secondes, c'était bouclé, c'est fini. Bon, autant il y a des stages qui sont assez longs comme celui-là, que je crains un peu le labyrinthe souterrain. Autant celui qu'on vient de faire là, avec Donkey, franchement ça se bouclait en 2 minutes. Hein.
Alors lui, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est... Bon, vous avez vu un labyrinthe, et à chaque fois, c'est aléatoire, en fait. Il faut rejoindre dans certains endroits. Vous voyez, un endroit comme ça, de Triforce. C'est un endroit où il y a la... Où il y a la... L'épée de légende, je vais y arriver. Ok. Et on sait jamais, en fait, à quel endroit précisément. Bon, ça, j'arrive jamais à sauter direct. C'est génial. Attention au like-like. Je vais d'abord par là, parce qu'en fait, c'est l'endroit le plus chiant. Et si la sortie est par ici, moi je l'aurais fait. Donc c'est là ou pas? Non, c'est pas là. Bon, c'est pas là parce qu'il n'y a pas la Triforce, justement. Putain, je perds du temps parce que c'est chiant, ça c'est aléatoire. Hein. Je peux pas savoir à l'avance où il faut que j'aille. Allez, Pikachu! Bon, je fais toujours les mêmes attaques, je suis désolé. C'est pas une vidéo pour voir du... D'accord. Bon, beau combat. Je vais absolument vous montrer Gigaboss. Ah, j'ai envie de le voir aussi parce qu'on peut débloquer un trophée. Putain, je vais crever, c'est connerie! Saoulé ça! Allez! C'était pas par ici, on continue, vite. Avec cette musique énormissime. Les effrois de Ocarina of Time. Je sais pas ce qu'il fout là. Oh, un trophée Octorok. On s'en fout, mais bon, je sais pas si je l'avais. C'est toujours pas là. Putain, j'ai pas de bol! Allez, viens, Link. Et... Dernière petite attaque, ou pas. Essayer de le choper. Bam. Tiens, prends-toi ça dans ta gueule. Allez, let's go. Il y a plein d'effroi ici. Ah putain, l'autre qui me tombe dessus. Il manquait plus que ça. Ah, c'est là, voilà. Vous voyez, c'est la Triforce, donc on a fini. Ouf, ça va, j'ai pas perdu trop de temps non plus. On se dépêche, sachant que ouais, j'ai le temps vite fait de ma capture audio là. Je me rappelle plus qu'on combattait Zelda ici. Oui, Zelda. J'aimerais bien que t'arrêtes de m'esquiver, merci. T'enchaînes. Bon, je vais faire ça aussi, un peu le Fatal Foudre là. D'accord, j'arrive même pas à le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux continuer. Oh putain, ça veut dire juste que 3 pièces. Bon. Oh non, faut que je refasse ça. Mais non. Mais non, mais non, j'ai perdu trop de temps là. Putain, mais quel con. Putain, mais je suis deg. Mais ça me fait chier de jouer comme ça. Sérieux. Oh putain, c'est pas par là. Attendez, il y avait un trophée encore ou quoi? Non, c'est pas vrai. Putain, j'ai perdu plein de temps là. Allez, agrippe-toi. Oh putain, c'est bon. J'ai du cul, heureusement. Je sais pas du coup si ça a pris. Putain, s'il faut tout refaire ou pas. Allez, Zelda là, putain, mais viens là. Putain, mais c'est hallucinant quoi. J'ai l'impression de pas. Putain, je suis appuyé, je vous jure que j'essaie d'appuyer, mais. Putain, mais il est trop lent quoi. J'ai trop du mal. Allez. Putain, elle me gave, elle me gave, elle me gave. Sérieux! Pouh! Putain, les nanas comme ça, quoi! C'est insupportable, hein! On laisse pas respirer, quoi! Allez! Ouh, saloperie, là! Putain, mais elle me gave ses coups de pied! Ouh, je suis pété un câble, quoi! Allez! Ça, c'est fait! On se magne un peu! En plus, il y a tous les défis encore à finir après. Hein. Enfin, les events et les cibles. Internet, il y en a bien que tu te fermes là avec Adobe Flash Player, que tu fais chier. Allez, encore une fille, Samus. D'accord, j'arrive pas à attaquer. Non, mais c'est hallucinant quoi. Je suis en normal, je suis pas en Veryard. Youhou. J'aimerais bien attaquer un peu. Attends, mais cool. Allez. S'en fout de ton chargement là. Putain, mais elle bouge pas, elle réagit pas, cette conne. Okay, d'accord. Putain, c'est pas possible. Je joue mal, mais je joue mal. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Putain, mais elle bouge pas, elle m'attend. Elle me fait chier avec son éventail. Je vais
J'arrive pas à placer mon attaque smash. Elle m'enchaîne, elle m'enchaîne. Je vais faire un peu de poudre. Vous avez vu l'IA? Mais attendez, c'est hallucinant quoi. J'ai l'impression que je suis en verrière de la. Elle part tous mes coups. J'ai pas le temps d'attaquer. Petit œuf de Levenard. Eh mais putain, heureusement qu'il y avait une bombe. J'ai toujours pas à fermer internet. Mon PC est en train de ramer à mort. Heureusement que c'est la dernière vidéo, parce que là je commence à m'énerver à chaque fois. Mais ça m'énerve, je joue mal, franchement. Ah, de toute façon, c'est pas avec moi que vous allez voir du skill hein, sur ce genre de jeu, de toute façon. Bon, là, le but c'est tout simplement de monter, c'est un petit stage bonus. Pour juste monter avant la fin du temps. Bon, c'est très faisable. Si Pikachu veut bien sauter, bien sûr. Ok, d'accord, je rappelle le truc. Allez, saute! Putain, mais je sais pas si c'est ma manette aussi, mais des fois j'ai l'impression que ça réagit pas ou ça réagit avec 3 heures de retard là. Allez! Voilà, c'est bon. Enfin, c'était 10 secondes. Mais qu'est-ce qu'il fout l'antivirus là? Putain, il me fait une analyse maintenant. Oh mon dieu. Quel daube. Allez, on va vers Kirby. Franchement, le 18 minutes, je pense que c'est mort. Hein. Ça me fait vraiment chier. Enfin bref, je vous ai remontré mon mode aventure qui est vraiment un mode mais énormissime, hein, je le répète, mais à l'époque c'était tout simplement un truc. Moi ça me faisait rêver en fait. Je voyais ça dans les images du jeu qui allait sortir. Je voyais le stage champignon là, le premier. Voilà quoi. Mode Super Mario dans Super Smash Bros, mais c'était le rêve absolu quoi. C'était énorme. Alors oui, je vais essayer de les buter en moins de 30 secondes. Parce que si j'y arrive, il va y avoir un gros Kirby qui arrive après. Quoique. Attendez, je dis une connerie parce que. C'est pas une connerie, mais je vais justement pas essayer de les battre en fait en moins de 30 secondes parce que si je dois vaincre le gros Kirby, ça va me faire perdre du temps. Donc autant passer directement à la suite. Ah ben, dis donc, j'ai déjà le dernier. On va attendre que le 3 minutes 30 passe. Et je le bute juste après. Heureusement qu'il bouge pas. Putain, je l'ai raté. Je l'ai raté, je crois pas. Voilà, c'est bon, je peux me buter tranquille. Hop là. Ok. Truc Kirby qui est déjà bouclé. Stage de Corneria. Ah oui, il y a aussi un truc spécial à faire ici avec Fox. Vous voyez, c'est une succession de stages basiques. Il faut toujours combattre des ennemis. C'est dommage que. Il n'y a pas énormément de trucs en fait, un peu comme le Royaume Champignon au final. Il y a beaucoup de trucs où c'est juste des combats. C'est des successions de combats classiques. Alors là, je crois qu'il fallait faire un truc pour faire apparaître Falco. Je crois que j'ai réussi. Je sais plus comment on fait. Avec Sleepy Todd. Et je me rappelle plus comment il s'appelle le lapin. Sleepy Todd, Falco, Fox. Piper, je crois qu'il s'appelle. Paper ou Paper, je sais plus. Je vois comment ça s'écrit, mais je sais pas comment ça se prononce. Fakloko aussi assez chiant parce qu'il est rapide, bien sûr. En plus, il y a le vaisseau qui m'attaque en même temps. Putain, saloperie. J'ai envie de te choper. Oh là, vite là. Oui. Voilà. Ah oh là là, les vaisseaux ils sont relous. Yes. Allez. Pars. Dégage. Oh putain, il y a le marteau au pire. Allez, ça passe. Alors, selon ma mémoire, je crois qu'il y a 12 stages en tout. Là, on est au 7ème. Pour l'instant, je suis à peu près vers 13 minutes, je pense. Il faut que je fasse tout en moins de 5 minutes. Ça va être chaud, hein. Vite la Pokéball. Putain. Ah là là, allez. Pose là. Porygon Z. Ou Porygon 2, je sais même plus comment il s'appelle, lui. Plein de Pokéball ici. C'est de toutes les poser. Je suis où là? Que des Pikachu, je sais plus où je suis. Hein? Ça c'est pas mal. Ça va un peu m'aider. Voilà. Je rêve ou c'est moi qui suis parti? Non, je rêve pas. Oh putain, oh oh. Moi ça vous montrera pas mal de Pokémon. Bon, je peux aussi combattre la loyale, mais. Oula, c'est quoi ce bruit? Putain, il fait ce son-là, Florizarre, c'était bizarre, hein.
Attention, je vais tomber. Ah là là, mais... Putain, mais j'ai encore perdu une vie. Mais c'est incroyable, ça. Il suffit de faire les attaques smash vers le haut, il crève direct. Voilà, Fatal Foudre aussi, ça marche très bien. Bon. Putain, j'ai encore perdu deux vies, faut que je fasse gaffe. Heureusement, je ramasse un peu de pièces aussi, en faisant les combats. Alors, F0, celui-là me fait un peu peur parce que j'ai toujours un peu de mal. Vous allez voir, c'est pas mal. Hop, il faut se grouiller. Et vous allez voir que les vaisseaux vont arriver. De toute façon, c'était un truc qu'il y avait dans... Est-ce que je vais avoir le temps, là? Je crois que c'est bon. On va s'arrêter là. Attention, on la laisse passer. Oh putain, j'étais allé trop tôt. Allez, let's go. C'était un event qu'on avait vu déjà. Je crois que c'était le 34e ou je sais plus. On s'arrête là. Mais il était en accéléré, l'event. Là, c'est quand même un peu plus faisable. Honnêtement, je suis bien tenté même de perdre direct, comme ça je gagnerai du temps. Mais je sais plus ce que ça fait si on le finit. Est-ce que j'aurai le temps là? On va se poser là, je crois que c'est bon. Voilà. C'est toujours là que j'ai un peu de mal. Oui, d'accord. Ok. Ah oui, mais on revient là, d'accord, si on perd, je pensais que ça terminait quand même le niveau. Putain, merde, merde. Non. Ouf. J'ai pas peur du tout. Je vous assure que le double saut, des fois, il fonctionne pas. Il fonctionne pas, le double saut. Mais sérieux. Ça me gave, ça. Putain, heureusement que ça m'a sauvegardé, là. Je vous assure. C'est pour ça aussi que j'ai perdu dans le truc des cibles. Le double saut, parfois, il ne fonctionne pas. Pourtant, là, j'ai utilisé X. Hein. J'ai essayé de sauter avec X pour, justement... Je me suis dit que c'était le joystick qui fonctionnait pas. J'ai appuyé deux fois sur X, ça m'a pas fait le double saut. What the fuck? Putain. Franchement, ça me gaffe, ça. Hein. Je sais pas si c'est ma manette qui déconne ou si le jeu est trop vieux, mais je sais pas. C'est incroyable, quoi. Allez, lui, on va le combattre avec la merde. L'épée laser, si j'arrive à... Voilà, elle a disparu. C'est magnifique. Ah, purée, ils sont chiants, les ennemis. C'est moi qui suis nul. Franchement, je l'avoue bien volontiers. Et je trouve quand même que c'est super chaud. J'ai aucun moment de répit. C'est incroyable, quoi. Allez, prends-toi la fleur, là. Donne-moi ça. J'ai fait l'attaque smash vers le haut, ça n'a pas réagi. Je suis heureux. D'accord, c'est pas ça que je voulais faire. Ah ouais, non, c'est magnifique, franchement, il n'y a rien à dire. Ah, j'ai encore perdu 3 pièces. Je suis repassé à 18 pièces. Putain, mais il faut refaire ça, mais non, mais quel abruti. Oh là là, mais franchement, je suis deg. J'en suis 18 minutes vidéo, donc j'imagine que c'est mort. Pour le Giga Bowser, ça m'énerve. Je joue comme une daube. Le Giga Bowser, normalement, il apparaît si on vainc le premier Bowser classique. J'y suis allé n'importe comment. Ah non, c'est bon. Ouf. Allez, on va essayer de pas se fail. Avec le double saut qui fonctionne une fois sur deux. Franchement, quoi. Hop. Putain, mais vous avez vu ça? Ça marche pas. Le double saut ne fonctionne pas. C'est quand même sinon, quoi. Ou alors, il croit que je fais un double saut alors que j'en fais pas un, mais je sais pas. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas capté dans le double saut. C'est quand même assez incroyable. Ah non, attendez, je crois que j'ai capté, en fait. J'ai compris ce qu'il faut. Non, attends, on sent le trophée, j'en ai rien à foutre. Je pense que j'ai capté, en fait. Bah, je sais pas, je pense que je dois appuyer deux fois sur haut, alors que je pense que c'est qu'un seul saut. Il faut bien que j'appuie sur droite ou gauche, en fait. Bon, il me fait pareil que tout à l'heure. On va pas trop se laisser faire. Voilà. Franchement, il n'y a rien de dur, là. Mais fais ton attaque smash. Pikachu, je t'en prie. Putain, mais... Je vous assure que la moitié des trucs que je fais avec la manette, ça réagit pas. Mais c'est hallucinant, quoi. Je cherche pas d'excuses, mais... Pfff. Oh là là. Ou alors, c'est moi qui appuie trop vite sur les boutons. Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi je galère autant?
Merci. Mais il est pas mort! Allez! Ah mon dieu. Bon, il reste plus grand chose, mais bon. Oh, c'est mort, franchement. Ah, si j'avais pas perdu de vie à recommencer les trucs, je pense que ça l'aurait fait, mais bon, là c'est un peu. C'est compromis, c'est compromis. J'avais peur, je me disais bien que ça allait pas marcher ce truc. Mais bon. Allez, je me prends la voiture dans la gueule. Qu'est-ce que vous foutez les NES là? Vite la voiture, attention! Ah oui, ça va, le bouclier, on me l'avait dit. Utilise ton bouclier un peu plus, c'est vrai. C'est très utile. J'y pense jamais. Allez. Qu'est-ce qu'ils foutent aussi? Allez, ils me font perdre du temps à balancer les Monsieur Saturne, ça sert à rien. Putain. Prends-toi la voiture. Il est pas parti loin lui. Allez. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, s'il vous plaît. Allons partir un peu. Putain. Il m'énerve. Il me gaffe parce qu'ils viennent pas vraiment sur moi. Ils me balancent des trucs à distance. Franchement, je me rappelais pas que le mode aventure était aussi chiant. Il me semblait que je le finissais en 2-2. Ou alors j'ai joué tout le temps facile, je sais pas. Mais là, je trouve ça super chiant. Merci, de moins. Voilà. Oh, fan de Monsieur Saturne, je pense qu'on l'aura compris. Allez, stage 10 qui est super simple. Il faut juste monter et buter les Ice Climbers. Un autre affaire, hop, allez, petit trophée au passage, son... je crois que j'ai plus rien à perdre, hein. Bon, il y a quelques ours chiants au milieu, ça s'accélère un peu, mais bon. Bon, ça a été un peu un fiasco ce challenge, honnêtement, enfin, tous les fails qu'il y a eu, je pense que... Ok, je suis mort... En même temps, lui, je le voyais pas, hein, bien sûr. Monsieur le scrolling, si tu pouvais te dépêcher un peu, ça va arranger. Ok, oui, il n'y a rien de compliqué. Attention, ça accélère un peu. Et l'Ice Climber va arriver. Je sais plus quand. Voilà, ils sont là. Ah putain, il y en a deux en plus. Allez, venez vous battre au corps à corps un peu. Ça m'échangera des adversaires précédemment. Hein. Voilà, allez, plus que... Oh ben, il est mort tout seul. Super, merci, ça me fait gagner du temps. Start. Champ de bataille, avant-dernier stage. Oh bon, là c'est... C'est une formalité, vu qu'il y en a plein, donc ils se font battre super vite. Ils se mettent vers le haut. Et c'est bouclé. Je sais plus combien il y en a, je crois qu'il y en a une quinzaine en tout. Pourquoi je fais ça? Allez, je vais finir en beauté, hop. Bam. Merde, ils sont pas morts eux. Ok. Vous voyez, franchement, on peut enchaîner, quoi. Moins de 30 secondes, c'est fait, mais... Ah oui, j'avais oublié ça. j'aurais pas dû les vaincre aussi vite, parce que je crois qu'on peut s'en passer aussi. Ces deux frères Mario en mode métallique. On peut s'en passer, normalement. Ils sont assez chiants, aussi. Je vais monter en haut, comme ça. Je vais pouvoir faire les Fatal Foudre. Alors bon, si vous n'avez pas compris, le fait qu'il soit métallique, c'est pour... Oh putain. Oh putain, je l'ai même pas eu. C'est pas grave, il y a un drac au feu. Ça permet de les... qu'ils partent moins loin, en fait. Le fait qu'ils soient métalliques. Mais bon, j'imagine que je ne vous apprends rien. Allez. Je vais les attendre là. Charger.
J'arrive juste après, bien sûr. Voilà. Allez, avance! Putain, mais... Sérieux? Vous devez entendre les boutons de ma manette que je suis en train de spammer en plus. Putain, il n'est pas parti, il est à 130. C'est bon. Allez, dernier. Ouais, là, ils sont 25 minutes, c'est mort, franchement. Destination finale. Avec le fameux Bowser. Et voilà, Bowser. Combat épique ou pas. J'utilise un peu le bouclier pour passer derrière lui, hein, pour faire des petites esquives. Bah, attention de ne pas tomber non plus. Ah là, mais. Oh, saute! Oh putain! Ah, franchement, c'est la honte, quoi. C'est la honte. Perdre une vie face à Bowser en mode normal. Allez, prends-toi mon épée. Prends-toi l'éventail. Et... Merci. Citation, Elector. C'est pas grave. Bon, ben on va voir, mais bon. Je suis sûr quasiment à 200% que j'ai pas le Giga Bowser. Donc là, il y a la cinématique. Et non, c'est mort, voilà. Normalement, Giga Bowser apparaissait ici pendant la scène cinématique. Bon, ben voilà. Je sais plus si je l'avais eu ce trophée. Enfin bref, voilà, je vous ai montré le mode aventure. Bon, le défi est raté, puisque c'était censé, censé vous montrer Giga Bowser, mais j'ai pas réussi. Tant pis. Bon, on va continuer la vidéo, parce qu'il faut quand même qu'on termine tout ce qui nous reste. C'est-à-dire les 9 tableaux de cible, ainsi que les 6 défis, les 6 events. Et le petit truc de Link Orange pour terminer, ainsi que le tirage au sort du live châtiment, parce que ce sera certainement un live châtiment finalement d'une heure sur l'un des 4 jeux que vous avez proposé. Oh, le trophée Pikachu, je l'avais pas apparemment, super. je vais repasser au truc des cibles d'abord. Non, attendez, on va terminer. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Allez, les cibles. D'ailleurs, j'ai peut-être coupé la vidéo parce que je pense que j'aurai pas le temps de tout faire actuellement. On était à Fox, je crois. Je vais pas pouvoir tourner d'une traite tout ça. Alors, le stage de Fox, je m'en rappelle plus trop, à vrai dire. Il me semble qu'il est pas très très dur. Comment on fait pour avoir les cibles d'en dessous? Il faudra passer après, je pense. On va essayer de pas faire trop de merde. Voilà, quand même. Alors lui, putain, oh là là, les sauts, j'ai du mal, je sais pas pourquoi avec les sauts, c'est fou. Putain, c'est ouf, quoi. Vraiment, il y a un souci dans les sauts, hein. Je sais pas, c'est... Putain. Attends, excusez-moi, mais là, il faut vraiment que... Je m'entraîne, je sais pas, mais... Putain, même les doubles sauts, j'ai l'impression de tomber super vite, en fait. C'est ça, le truc. Ah, ben voilà. Putain, vous avez vu la différence, quoi. J'ai réussi à bien sauter. Est-ce qu'il y a une plateforme dessous? Non. Et ben voilà, c'était magnifique. Encore un fail. Youpi. On passe à Falco. Qui est un peu... Oh non, celle-là, elle est chiante, je m'en rappelle. Plein de cibles qui passent dans tous les sens. Un peu imprévisible. Alors celle-ci, ok. Oh putain, je vais tomber, je vais tomber. Et voilà. Putain. Pichu, j'avais même pas réussi. Pichu, je crois que c'est l'un des plus chiants de tous. Parce qu'il y a que du vide dessous. Et on peut tomber super facilement. Alors attendez, par où je vais passer là? À droite. On va y aller lentement. Putain, je sais même pas ce que je voulais faire, mais tant mieux, j'ai réussi. Si j'arrive à celui de Pichu, je serais quand même content. Non, putain. Non, ah putain. Au secours. Au secours, au secours.
Allez, celle-là, je peux l'avoir facile. Comme ça. Ok. Ouh, il me reste 3. Les plus difficiles. Putain, comment je fais déjà pour celle au-dessus là? Parce que là, je glisse. Merde, merde, merde. Oh, purée. Est-ce que je peux l'avoir comme ça, celle-là? Ah, attendez, je peux me poser en haut. Oh, putain, j'ai esquivé la plateforme. Mais non! Celui de Pikachu, il est très simple. Donc, franchement, là, il n'y a pas de raison. Je Roxor. Putain, mais j'arrive pas à faire mon double saut encore une fois. Non, je comprends pas, sérieux. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Ah. Hop. Alors, ici, c'est simple aussi. Je crois qu'il faut juste faire comme ça. Voilà. Et la dernière, voilà. De toute façon, du moment où il n'y a pas vraiment de vide, les stages comme ça, c'est très... Je crois que j'ai la peur de ma vie, là. J'ai la peur de ma vie. Ah, j'ai réussi un truc. Depuis 2 vidéos, j'ai réussi un truc, je suis heureux. Rondoudou, on va essayer d'utiliser la technique de Link Orange pour sauter. C'était comme ça. Attendez. Comment il m'avait dit déjà faire B gauche? Comme ça. Ah, mais c'est dur aussi, hein. Putain, mais sérieux? Je suis même pas dans l'axe là. Ah, voilà, comme ça. Ça nous permet de un peu. Hop! Ah, mais trop tard. Non. Ta gueule, rondoudou. Voilà. Si, si, c'est quand même pas mal. Alors, celui-là en fait il est super difficile juste pour une cible qui se trouve. Ben, vous voyez de toute façon par vous-même. Hein. Je pense qu'en fait le truc chiant c'est que. Est-ce que je peux passer là? Non. Vous voyez, si je me bats, je peux pas passer à travers la plateforme en fait là, ici. La plateforme de bois, je peux pas passer à travers. Et en fait, c'est super chaud de ramasser les 3 cibles restantes quoi. Je vais essayer, mais j'ai toujours du mal en fait à ce truc. Hop, et le dernier, putain, j'arrive jamais à la dernière. Putain, je sais en fait qu'il faut faire B gauche et B droite. J'avais réussi dans mes anciennes saves, mais depuis que j'ai perdu ma save, j'arrive plus. C'est super hard. Alors, au sol de Mewtwo, je me rappelle pas du tout. Ah, il faut pas toucher les. Ça, apparemment, ça nous fait des dommages, d'accord. Alors, franchement, je me rappelle plus du tout de celui-là, donc on va voir. Ça a l'air bien compliqué pour l'instant. Mais bon, en général, ce que j'aime bien dans ce truc de cible, c'est que ça nous force à utiliser un peu toutes les capacités des personnages. Je regarde vraiment qu'il est pas remis dans la version Wii U, parce que c'est un truc vraiment sympa, hein. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça avec Mewtwo. On va l'utiliser, hein. Attendez, faut que je fasse B. R2, ah, il y a du vide au-dessous, oui. On va essayer de faire autrement. Comme ça, là. Ah putain, je vais pas réussir. C'est pas vrai. Non, qu'est-ce que tu fous, Mewtwo? Mais voilà, putain. Il reste une cible, j'y étais, mais j'ai encore fait de la merde avec mes sauts. C'est incroyable. Oh, alors celui-là. Pas de raison, il n'y a même pas de vide. Je pense que c'est l'un des plus simples de tous. Hein. C'est une Game & Watch. Faut juste être rapide pour essayer de battre son score. Être réactif, pas comme moi. Ah oui, d'accord. Voilà. La cible d'en haut, elle est un peu chiante. Ah, c'est bon, je l'ai comme ça. Allez, la porte. Voilà. J'ai pas battu mon record du tout. Il reste qui? Plus que Mars et Roy. Celui de Mars, je sais plus du tout. Par contre, celui de Roy, il me semble qu'il était chiant. Comment j'ai cette cible là-bas? Je pense qu'il faut l'avoir en dernier. J'aime pas les cibles dans le vide. Ça me fait peur.
Allez, saute. On passe par là. Putain, non, qu'est-ce que je fais? Je suis allé du mauvais côté. Voilà. Il y a aussi le fait d'essayer d'aller vite, je pense. Et en vidéo, enfin, je sais pas. J'essaie d'achever de me grouiller. Et eh bien, je fail. C'est un peu risqué de passer par là, mais... Putain, encore une fois, il m'a fait de la merde dans les sauts. Je peux pas passer par là. Bon, on va essayer de passer en dessous en se baissant. Ok, d'accord. Il s'est pas baissé. Ou alors trop tard. Allez. 24 secondes, je l'ai fait. Putain, pourtant il est chaud celui-là, regardez. Plein de vide partout. Alors, comment on fait déjà? Je crois que comme ça, ça passe. Faut attendre. Fond. Ah, même pas. Ah non, attendez, c'est comme ça. Hop, et voilà. On remonte avec BO. Putain. Sortir d'ici. Vite sortir d'ici. On a 36 minutes, il me reste un tout petit peu de temps. J'en étais au 45e. J'ai fait Game & Watch. Fire Emblem. Les héros de Fire Emblem veulent vous affronter. Je sais plus. Je pense que j'ai pris un peu tout le monde. Prendre Bowser un peu. Il est un peu lent, mais bon. Je sais plus trop si je l'avais pris ou pas. Alors, je me rappelle plus trop de cet event non plus. Il m'a pas marqué, donc j'imagine que c'était pas non plus la mort. Ouais, c'est pas la... Pourquoi il saute ici? Non, je vais vous buter. Avec mon cul! Bam! Putain, mais ils ont 3 vies! Moi aussi, mais bon. J'arrive pas à leur sauter dessus. Aïe 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 aïe, j'ai déjà perdu une vie, je suis lent. Et là ils vont m'esquiver parce que je suis invincible, sérieux. Ils sont chiants. Viens par là. Putain, mais je voulais charger mon attaque smash. Allez, une vie de moins pour Mars. J'ai fait que 50 têtes de dégâts à l'autre. Putain, je le touche pas. Non, mais il faut pas que je combatte ici. C'est pas un endroit plat. Qu'est-ce qui branle? Venez. Putain, c'est ça qui me saoule aussi dans les CPU. Vous voyez, je sais pas. Ils viennent d'autre part. Enfin, ils viennent d'autre part. Ça veut rien dire. Ils vont autre part. Ils évitent le combat. C'est chiant. Merci de m'avoir esquivé. C'était sympa. Heureux de vous avoir connu. Putain, mais ils ont une allonge de fou, quoi. Moi, j'arrive pas à les toucher. J'arrive pas à faire mon attaque. Bordel de merde. À deux contre moi, là. J'aurais pas dû prendre Bowser. Il est trop lent. Il m'attaque que... Putain. 5 mètres de loin là. Bon, c'est minable. Franchement, c'est minable ce que je fais. Oh, putain. Allez, il faut moins que je fasse partir Roy une fois, quoi. Voilà. Putain. Allez. C'est le choper. Oh, mais voilà. Bon. Encore du fail. J'ai du mal, hein. Truc de fou. Alors, nouveau trophée, masque de Majora, je l'avais déjà eu. Prendre Samus. Il n'y a aucun enjeu. Bon, le jeu en lui-même, voilà, de toute façon, il est excellent. Hein. Que ce soit, même en solo, ce qui était vraiment pas mal, c'est que se mêler en solo était vraiment pas mal aussi, avec le mode aventure. Hein. Et les events, il était déjà assez fourni, je trouve.
J'ai quand même 25 persos, hein, c'est quand même largement suffisant pour bien s'amuser. Et pour essayer d'avoir la motivation de faire le mode classique, le mode All-Star, le mode aventure avec tous les persos. Parce que bon, je dois bien vous avouer que... Oh putain... Smash Bros. Wii U, là, il est vraiment énorme. Et il y a tellement de persos que je sais pas si j'aurai la motivation de faire 50 fois le mode classique et tout, avec tous les personnages. Franchement, c'est un peu chaud, quoi. Allez, je frappe tout le monde là avec mon parapluie, c'est super. Pourquoi il n'y a que moi qui suis parti alors que... Je sais pas quoi, ils sont chacun pour soi, hein, c'est pas tous contre moi. Pourquoi j'ai autant de mal? Putain, mais ils ont 150 et ils partent pas. Allez, Pikachu et Pichu. Ça, c'est l'event l'un des plus chiants du monde. Je vais prendre Rondoudou pour faire l'attaque repos. Parce que honnêtement, j'ai pété des câbles avec cet event. Pourquoi? Parce que il me semble que Pikachu essaie de nous empêcher de toucher les Pichu. C'est horrible. C'est... Franchement... Vous voyez, Pikachu s'acharne sur nous. Il nous bute en 2-2. Et les Pichu, ils viennent là-bas, ils restent éloignés. C'est une plaie. Cet event, c'est une plaie. J'aurais pas attaqué Pikachu. Putain, qu'il est chiant. Lâche-moi. On peut rien faire avec cet event, c'est un truc de fou. Allez, on passe au 50e. Oh non, attendez, je vais pas le faire maintenant. Je vais essayer de faire l'event d'abord de Sauguet, je vais y arriver. Qui est de faire ce truc en une seule vie. Je sais même pas qui prendre tellement je sais que je vais pas y arriver en fait. Putain, avec qui je peux faire ça? C'est tellement difficile quoi. C'est Falcon. Allez, Ah mais merde! Ah non! Mais je confonds. Ah non, non, attendez, ça c'est... Ah non, mais c'est l'event 5... Ah, attendez, je sais plus. Merde, je crois que c'était l'event 51 en fait. Mais quel con! C'est le 50e ça. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait celui-là. Combattre les deux mains. Je vais complètement zapper qu'il y avait cet event. Et attendez, mais il est super hard celui-là aussi. Pour vaincre les deux là, une seule vie. What the fuck? Putain. Oh là 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 là. Oh, une seule vie. Oh non. Oh. J'avais oublié qu'il y avait ça. Putain, je suis pas couché. Hein. Bon, j'arrête cette vidéo ici, c'est déjà 43 minutes. De toute façon, vous avez bien vu que tout n'est que fail. Terminerai cette vidéo plus tard, il est temps que ce truc s'achève. Et puis je vous ferai le tirage au sort aussi plus tard. Allez, à tout de suite. Allez, il est temps d'achever ce challenge en bonne et due forme. Ou en catastrophe, ça dépend. On va bien voir. Donc il me reste l'event 49, All-Star Match Deluxe. Je vais faire vidéo la destination finale et je vous dis pas comme j'ai galéré pour le refaire. J'ai essayé avec Ganondorf, il était assez puissant, mais bon, à chaque fois que je me faisais éjecter, j'en vais pas revenir sur le terrain. Et finalement, j'ai réussi avec Samus, à mon grand étonnement. Donc voilà, j'ai mis à peu près une heure hors vidéo pour le refaire quand même. Ça m'a saoulé. Donc j'ai essayé de réussir en vidéo celui-ci pour débloquer le 51ème. Sinon, il faudrait que je le repasse hors vidéo encore une fois. Et on va essayer de bien jouer. Alors, le choix du perso est crucial. Hein. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec cette version mêlée. Hein. Je sais pas pourquoi. J'étais peut-être trop habitué au jeu 3DS là. Pourtant, j'ai pas énormément joué. Je vais prendre Roy. Je le sens bien avec lui. Je sais pas. Pourtant, Brawl aussi, j'ai beaucoup joué, mais pas non plus des masques, enfin, c'est assez étrange. Oh, ça c'est bien, l'objet de métal, comme ça je vais moins avoir de chances de partir loin. Hop, on va l'attendre comme ça, tranquille. Ah, le con!
Dégage. Un de moins. Alors j'en ai combien à battre? J'en ai 6 en tout. Oh, ça va être chaud, Ganondorf à la fin. Oh, ça va être chaud. Allez, on va essayer de l'enchaîner un peu lui. Oh le con! J'ai combien? J'ai 2 vies. Ok. Prends-toi ça. Prends-toi ça. Prends-toi ça. Je prends pas de risque hein, parce que sinon. Merde, il est encore là. Saloperie. Putain, il a réussi à m'attraper alors que je suis. Je m'étais protégé. Mais qu'il est chiant. Allez. Ok. Ouais, parce que sinon, il faut que je le refasse en vidéo. J'ai pas envie de refaire de coupure encore pour refaire le truc. Oh là, l'enfoiré. Ah. Ah oh, putain, je vais pas me faire battre par Pichu, hein. Non mais, sérieux. Arrêtez. Dégage. Prendre ça. Hop. Oh, une petite Pokéball. Lâche-moi. Putain. Enfoiré, quoi. Il a réussi à me prendre la Pokéball et tout. Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas que c'était l'œuf de Levenard. Putain, un œuf explosif. C'est pas vrai. Putain, il me fait chier à m'attraper comme ça. Calme. Bon, je suis pas en très bonne posture là. Il me reste 3 combats. J'ai 20%. Ça on va l'attraper, on va essayer du moins. Putain, attention, que fais-je? Allez, tombe sur la plateforme. Voilà, j'ai réussi à le bloquer. Je sais pas ce qu'il a foutu. C'était marrant. Oh, ben voilà, justement, Roy. Ah putain. Oh, putain, il m'énerve comme ça, il m'a attrapé chaque fois de loin là. Oh, je le sens pas, je le sens mal, je le sens très très mal. Concentration. Tiens. Tiens. Excellent. Ouh, allez, plus que Ganondorf. Ça va être chaud. Je suis 100%. Oh putain, pas ça. Tiens! Prends-toi ça dans ta gueule. Prends-toi ça encore. Heureusement, il. Je sais pas pourquoi il essaie de me frapper de loin, il n'y arrive pas. Yes! Excellent! Ouh! J'ai eu de la chance quand même. Parfait, ben, vous voyez que ça a débloqué le 51 Dream Team. vous me l'avez indiqué au début dans les commentaires dans la première vidéo. C'était Sogué pour son défi. J'avais complètement oublié que ça s'appelait Dream Team, donc j'avais pas fait le rapprochement. Donc le défi de Sogué c'était de réussir ce event là, le dernier, avec une seule vie. Enfin du premier coup quoi. Eh bien ma foi, c'est quasiment impossible. J'ai l'impression que c'est une difficulté atroce. Et d'ailleurs vous allez voir le Giga Bowser, hein, c'était celui que je voulais vous montrer en mode aventure, mais comme j'ai pas réussi, je pense à le refaire hors vidéo pour vous montrer, mais bon, je suis même pas sûr de réussir vraiment hors vidéo parce que je l'ai jamais réussi de mon côté à débloquer le Giga Bowser, donc j'ai un peu la flemme. Et la vidéo va durer suffisamment longtemps. Qui c'est que je vais prendre pour le défi de Sogué? En général, j'essaie de prendre Rondoudou parce qu'il a l'attaque cheatée avec repos, mais je vais essayer de faire autrement. Je sais pas, hein. Je sais pas. Ouais, mais Roy, j'aurai pas trop le temps. Voici avec Captain Falcon, mais je le sens pas, mais pas du tout. Donc voilà la tronche du Giga Bowser. C'est un Bowser giga, gigantesque. Et très très puissant. J'ai 3 vies. Et eux aussi, ils en ont 3, donc voilà. Ça veut tout dire. Ah oui, d'accord, j'ai sauté du mauvais côté. Ça, c'est génial. En plus, c'est la pète. Prenez-vous ça. Allez. Putain, il a réussi à se protéger, le con. Je suis où, là? Putain. Je me fais éjecter dans tous les sens. Ah, oh, j'étais repoussé. Dégage avec ta... Je vais prendre la Pokéball. Putain.
Ah non, je veux faire BO! Qu'est-ce qu'il m'a foutu? Il m'a fait B gauche ou B droite, je sais pas quoi. Bon. Putain, bah, c'est impossible. C'est hallucinant ce truc. Allez, béba, béba! Enchaîne les coups de pied. Oh putain, je suis de l'autre côté. Bon, ok, d'accord, je suis mort. J'ai fait n'importe quoi. C'est moi qui me suis tué tout seul en fait. Donc c'est raté pour le défi de sauvegarde, je m'en doutais bien sûr. Je suis à la ronde doudou, de manière un peu plus classique, de manière un peu cheatée. On va voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Cette attaque repos. Oh le con. Putain. Le problème avec Rondoudou, c'est qu'il part super vite aussi. Donc, et il faut bien sûr bien frapper avec son attaque repos. Mais bon, vu que Giga Bowser est vraiment énorme, j'étais du mauvais côté. Excellent. N'importe quoi. Ah putain. Qu'est-ce qu'ils me font là? Les Giga Bowser, plus qu'une vie! Putain, laisse-moi atterrir sur ta gueule. Il a réussi à revenir. Fais en effet de toi, voilà. Et on peut au moins tuer Giga Bowser assez facilement. Je suis où moi? Par contre, il me reste qu'une vie, donc je crois que c'est un peu mort. C'est un peu mort. Ah, quoique! J'ai réussi à les toucher tous les deux. Oh, j'ai réussi à toucher Mewtwo. Est-ce que ça c'est efficace ou pas ça? Oui, c'est très efficace pour crever. Bon, bref. Je le referai en vidéo, là, bref. C'est pas très grave. Ah non, mais attendez. Ah non, faut que je le fasse parce qu'il faut que je débloque le stage destination finale. Putain, faut que je le fasse. Faut que je le finisse. Mais non, comment je vais faire? Bon, on va réessayer. Grand doudou. D'accord. Il me laisse même pas le temps d'attaquer. Allez. Foiré de Giga Bowser là. Il marche pas ses coups, hein. Putain. Voilà. Allez, dégage, Ganondorf. Putain, je me touche pas là. Ah, si. Oh, j'ai presque 200%. Allez. Alors évidemment, il faut bien que je parte un peu. Oh, ça c'est pas mal. Oh, j'ai réussi à endormir Mewtwo. Excellent, c'est pas ce que je voulais faire là. Allez, je suis en bonne position là. Voilà. Merde. Prends-toi ça. Deux vies chacun. Ça peut le faire, honnêtement. Ils me font peur là. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Yes! Putain, toute une question de précision. Ah, non! Pas moi qui dois partir, c'est vous! Putain, mais j'ai pas le temps de revenir. Regardez-moi ça, je peux même pas me poser sur le plateforme que. Allez, plus qu'une vie chacun. On y croit, on y croit. Merde! Oh, yes! Je sais pas comment j'ai fait. Attention, attention, attention. Oh, putain. Oh, putain, c'est pas vrai. Non, c'est la Pokéball. Ah oui, Florizarre, énorme. Excellent. Aide-moi. Aide-moi. Yes, j'ai des bons trucs là. Oh, énorme. Plus que Ganondorf. Yes. Oh putain, j'ai réussi, je suis content. Yes. Voilà. Putain, je voulais au moins le faire en vidéo, quoi. Trophée de destination finale en plus. Ah, je suis content. En général, Rondoudou, c'est l'un des plus efficaces pour le faire, mais c'est pas évident non plus. Donc, du coup, on va terminer ce challenge sur le défi de Link Orange qui était de traverser. Je te frappe encore mon PC parce que la luminosité est complètement foirée, ça m'énerve. C'était. On va le faire en training, on va essayer du moins. Pour le CPU, on s'en fout. De traverser le mode, enfin le stage de destination finale par dessous, voilà, de le traverser, de passer de l'autre côté. Je sais pas si c'est faisable en fait, et je sais pas si
si l'un des persos peut me permettre de faire ça, mais sachant que Peach, voilà, et Rondoudou, il m'a dit que c'était d'office éliminé, qu'ils n'étaient pas éligibles pour pour son challenge. Je sais être donké, mais je le sens pas du tout. Alors, destination finale qui est apparue ici. Attention. Alors, putain, ça me semble pas possible. Hein, t'as vu la longueur du stage, Link Orange? On va essayer. Hop, un. Ah, d'accord. J'ai loupé. Hop, un. Ah putain, mais c'est pas vrai. Attendez, j'arrive même pas à faire un seul saut. Hop. Mais c'est impossible parce qu'ensuite faut remonter. Comment tu veux faire? Hein? Bah c'est impossible honnêtement. Attends. Est-ce que je peux changer de... Je suis obligé de terminer pour changer de perso. Je sais avec Peach parce que c'est celle qui me semble la plus susceptible de réussir, mais si franchement j'arrive pas avec Peach, ton défi, c'est pas possible. Hein, alors, oui d'accord, je me bloque déjà. Ah, attendez, je pense que c'est possible avec elle. C'est peut-être plutôt par la droite. Je me laisse tomber. Hop, je saute. Ah, je suis trop bas. Je suis trop bas. Si je... Attendez, si je me laisse tomber, que je fais un petit saut comme ça, hop, voilà. Ah, mais après elle remonte pas assez haut. Le souci en fait, c'est que je pense que Linkrange t'y avait pas pensé. C'est que tu pensais que le destination finale était juste une espèce de grosse planche en fait. Mais vous voyez, il y a ce truc au milieu là, il y a une espèce de trou noir au milieu qui m'empêche de remonter après. Je pense que c'est impossible, honnêtement. Je pense que ton défi est impossible. Ah non, je peux pas remonter après. Bon, honnêtement, je sais pas si je le compte à ton défi Link Orange, parce que j'imagine que c'est pas possible de le faire, donc... Écoutez, de toute façon, je sais pas combien j'en suis au niveau des défis réussis, là, de mon pourcentage, mais j'imagine que c'est plutôt... À cause des deux dernières vidéos, ce sera un châtiment d'une heure en live. Donc voilà, je vais faire le tirage au sort, et puis je vous posterai la vidéo, je sais pas quand, et on fera ce live châtiment du coup en janvier, voilà. Donc en tout cas j'espère que ce challenge vous aura plu de Super Smash Bros. Melee, qui est un jeu quand même exceptionnel, et à l'époque c'était peut-être pas une révolution, mais dans la série il a quand même apporté énormément de contenu en plus et de modes de jeu. Comme le mode All-Star, le mode événement, le mode aventure, hein, qui manque un peu je trouve aux nouveaux opus là, Wii U et 3DS. Dommage qu'il n'y ait pas de mode aventure comme ça, peut-être pas autant que l'hémisphère subspatial de la Wii, parce que moi je le trouvais trop long et je l'ai même pas terminé à 100% parce que ça m'a saoulé en solo. Par contre à deux joueurs c'était pas mal. Mais je sais pas, ils auraient pu mettre en mode aventure dans la veine de ce Melee, ça aurait été très bien. Il est pas très long, il est marrant à faire, on se lasse pas trop. Franchement, c'est excellent. Qu'est-ce qu'il a apporté aussi? Ben, tout ça en fait, le home run, c'était nouveau, le multiman melee, il me semble que ça n'était pas sur 64, par contre il y avait les cibles sur 64. Il y avait les cibles et il y avait les plateformes. Plateformes qui ont disparu, ça m'avait un peu déçu aussi à l'époque, parce que j'aimais bien justement le truc des plateformes, moi, activé de la version 64. Et puis voilà quoi, les trophées aussi, ça y était pas sur 64. Il me semble que les spéciales mêlées, ça y était pas non plus. Vous voyez, c'est beaucoup de contenu, c'était un truc énormissime. Et c'est vrai que les nouveaux opus là, ils apportent quand même pas mal de choses en termes de mode de jeu aussi. Mais je trouve les modes de jeu, les nouveaux en tout cas, qui sont moins intéressants et moins révolutionnaires que ceux qu'avait apporté mêlée. Mais bon, après, c'est vrai qu'on peut pas non plus faire des choses exceptionnelles pour chaque épisode, quoi. Voilà, bon. J'espère que ça vous aura plu sur ce jeu exceptionnel pour ma part. Je sais pas si bon, je le trouve vraiment supérieur à Brawl au niveau de la maniabilité. Je le trouve plus nerveux ce Melee. Après, je peux pas trop juger avec le nouveau Wii U, là, au plus Wii U, parce que j'ai pas encore trop joué. Mais bon. J'espère que ce challenge vous aura plu. Je vous dis salut à tous à la prochaine pour un prochain challenge. Je sais déjà le jeu que ce sera.
C'était le jeu qui était prévu à la base, à la place de ce Smash Bros. Ce sera un jeu N64, et attention, attention, pour tout vous dire, ce sera un jeu Rareware. Voilà. Prochain jeu, challenge, jeu 64 Rareware. Allez, à la prochaine. Et ne quittez pas tout de suite, il y a le tirage au sort! Bonjour Link, ça va? Allez, ça va être lui qui va nous faire le petit tirage au sort pour terminer le challenge de Super Smash Bros. Melee. Donc j'ai réuni comme d'hab mes petits bouts de papier. Je remets le calibrage du caméscope pour que vous puissiez lire. Donc voilà, j'ai mis les 4 jeux qu'on m'a proposés. Umira Kawase sur Super NES proposé par Neon. Punch-Out version Wii qui est proposé par Bastien. Cybernator, jeu Super NES proposé par Arwing, ainsi que Metal Gears, le premier sorti sur NES, proposé par Sogé. Donc, il y a mes 4 petits papiers que je vais remettre. Voilà, je les replie. J'ai gardé la boîte de l'Amiibo. Elle est toute déchirée, quoi. Ouais, je pense que je vais la jeter juste après. Je vais juste m'en servir. Hop, j'éloigne un peu. On met les papiers dedans. Hop, on mélange. On mélange bien. On boulègue, on boulègue. Hop. Et c'est l'amiibo qui va choisir le jeu. Hop là. On prend celui-là. Ok, alors qu'est-ce que c'est? Parmi les quatre, attention. Et il s'agit de Umiara Kawase, proposé par Néon. Voilà, donc ce sera un live châtiment d'une heure sur ce jeu en janvier. Voilà, je préviendrai comme d'hab sur Daily la date à laquelle je ferai ce live dans la description du profil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce challenge vous aura plu. On s'arrête ici parce que la vidéo a déjà dépassé l'heure. Allez, à la prochaine.